Coucou tout le monde, alors il y a quelques temps, il y a bien 6 mois honnêtement, je vous avais promis de vous faire une vidéo qui concerne en fait les velours lipstick de chez Jeffree Star. Donc les voici, donc j'en ai 4 et que 4 pour l'instant parce que je suis persuadée que je vais craquer sur les autres parce qu'il y en a d'autres qui me font de l'œil. Ce sont pour moi et j'ai testé plein de marques de rouge à lèvres liquide. Les meilleurs rouges à lèvres liquides. Alors quand j'entends des rouges à lèvres liquides, j'entends bien un rouge à lèvres avec un fini mat parce que concrètement ils ne sont pas donnés, ça je tiens quand même à soulever parce que bah, c'est important accessoirement. Ils coûtent 18$ l'unité, mais étant donné que ça vient des États-Unis, il faut payer 10$ de frais de port. Donc c'est vrai que c'est pas donné, on va considérer que vous en avez pour 30$ pour un velours lipstick. Mais honnêtement, moi personnellement je mets jamais ces prix là dans les rouges à lèvres, même les rouges à lèvres MAC j'en achète très très peu, mais ceux-là sont tellement au-delà de mes espérances que ça me gêne pas de mettre 30$ dedans pour la simple et bonne raison que déjà ce sont franchement des teintes que j'adore. On a un orangé, on a le rose, alors le rose je vais vous le swatcher en vidéo, par contre je suis beaucoup trop bronzée actuellement pour pouvoir le porter, c'est juste atroce, mais l'hiver c'est pas mal justement. J'ai un fuchsia et bien sûr le rouge. Sur plusieurs de mes photos et de mes vidéos, vous m'avez demandé où est-ce que j'avais eu mon rouge à lèvres et j'ai énormément porté le rouge qui est un rouge velours magnifique. Alors pourquoi j'adore les Jeffree Cosmetics ? Tout simplement parce qu'ils ont exactement ce qu'on attend d'un rouge à lèvres liquide. Donc ils sont extrêmement, mais extrêmement pigmentés. Ils sont très confortables, c'est-à-dire que les rouges à lèvres liquides et mat ont tendance quand même à nous assécher les lèvres et à apporter un inconfort à la fin de la journée. Là, on les sent. Alors si vous mettez plusieurs couches vous allez les sentir, mais si vous respectez la chose et que vous mettez une seule couche, je vous assure, mais je sais même pas comment vous le prouver parce que les youtubeuses disent toujours que tout est génial, mais je vous assure qu'ils sont mais excellents tout simplement. En plus au niveau de la tenue, bah là il n'y a carrément rien à dire, même quand on mange effectivement il y a peut-être un petit peu au milieu, ça c'est tous les lipsticks, hein, au milieu un petit peu où ça s'efface mais vous remettez une petite touche après. Mais si vous voulez investir dans un seul de ces rouges à lèvres, je vous conseille de foncer vers le rouge. Il y en a d'autres qui me font de l'œil, mais c'est vrai qu'à 30$ on fait quand même attention. Mais voilà, depuis cet hiver, bah, j'en ai quand même pris 4. Le seul que je regrette un petit peu, c'est peut-être le Queen Supreme parce que il est un peu trop clair pour ma carnation en été, du coup je peux pas bien en profiter.
Swatch, donc je ne vais pas en rajouter une couche. Je ne peux que vous dire que ce sont pour moi les meilleurs lipsticks de toute ma collection, qui dépassent MAC, qui dépassent les grandes marques. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Alors effectivement, ils sont chers, c'est un investissement. Tout le monde ne met pas 30 euros dans un lipstick, mais je sais pas, faites-le vous offrir pour un anniversaire ou je ne sais pas. Je vous assure que vous ne serez pas déçus et que vous deviendrez certainement comme moi, complètement addict. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Ciao.